comment tu vas? Bah écoute, super. Tiens, je t'apporte ça. Fallait pas. Bah, petit champagne. Même mot. Bah écoute, c'est ce que ça me rappelle, ça, en plus. Mon voyage en Espagne. J'entends l'Espagne. Qui dit Espagne dit champagne. D'ailleurs, la CGT n'est pas congé à ça. Tu vois un barbecue quelque part? Pourquoi t'as envie de faire griller du prol? Ah, pourquoi pas. Pas une mauvaise idée en soi. En même temps, on n'est plus à ça près, t'aurais pu, hein. T'as bien invité la petite nouvelle, Marie Bérengère. Bérénice. Bernadette, non? Marie Bérénice. Ah, et elle serait pas en retard, la petite? Non, non. Ça sent l'astreinte dimanche. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, maintenant, j'aimerais porter un toast. À vous, accessoirement. Sans qui Global Management n'en serait pas là aujourd'hui. Et... est-ce que j'oublie pas... La CGT. La CGT, tiens donc, la prochaine fois, c'est sûr, on fait un barbecue. Et avec une plancha. Non, enfin non, pas de plancha, justement. Merci. Merci. Monsieur Saint-Gilles, oui. Excusez-moi, je voulais vous dire que quand on... Alors 7, avenue Tranchard, le code c'est le 43B02. Attends, j'arrive. C'est comme la confiture. Bon, on en a. Puis on l'étale. Oh, il est rigolo. Et là, en fait, le cas de Phineas Gage est un cas d'école. C'était en quelle année? C'était en 1848. Le 13 septembre 1848, Phineas Gage a changé complètement sa personnalité. Gage n'était plus Gage. Plus jamais tu seras invisible. Plus jamais! Hé, hey, Marie-Bé! Tu viens? Il y a le boss qui te réclame. Dis-lui que Marie-Bé arrive pour ambiancer le dance floor. Oui, ouais, tout dépend du point de vue. Grâce à toi, j'ai pu assister au licenciement le plus rapide de l'histoire. Licenciement? Voilà. Regarde. Allez, dehors là! Vas-y, casse-toi! Merci, José.